Chaque jour, environ 13 000 étudiants mangent dans les restaurants universitaires parisiens et les avis sont plutôt partagés. On a un repas complet, on mange équilibré et c'est pas très cher, donc moi ça me plaît. J'ai l'habitude donc de bien manger, donc là c'est un peu différent. Parfois ils sont froids, les aliments sont froids, mais généralement ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Je pense que normalement il n'y a pas trop d'options végétariennes et que les légumes d'habitude sont trop cuits. Pour que tout soit prêt à l'heure du déjeuner, les repas sont préparés de très bonne heure. Les équipes chargées de la préparation des plats arrivent à 6h30. Durant toute la matinée, elles confectionnent les hors-d'œuvre, les plats chauds et les desserts. 8 plats sont préparés quotidiennement au resto U de Port-Royal et le chef aime rappeler qu'ici, il y a un large choix. Ici, on peut manger tous les jours différemment, du poisson, hein. On peut manger un sauté, on peut manger une grillade, une pizza, on peut manger des spaghettis. Et tous les jours, c'est renouvelé. Je fais mes menus sur 5 semaines pour pouvoir pas refaire la même chose la semaine après. Pour réaliser ces menus, le chef essaie d'avoir des produits frais, mais pour respecter les budgets serrés, des produits surgelés sont aussi souvent utilisés. Un repas sans les charges revient à environ 1,60 €. À chaque étape de la fabrication, des règles d'hygiène strictes sont respectées, des gestes indispensables pour que les plats soient bons à déguster.